Bonjour à tous, c'est Mitrap Nomad de Alert Ego et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Soyuz. Donc, qui va nous mener, c'est tout un cheminement jusqu'à la cité Gerudo. Il y a pas mal. Il y a quelques quêtes annexes qui. Lorsqu'on a trouvé la solution, forcément, on se dit que c'était pas très très compliqué, mais sur le coup, ça prend du temps, on se pose beaucoup de questions, on cherche. Et on perd énormément de temps sur un truc assez bateau. Donc. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ceux qui ont envie de bêtement perdre du temps. Donc voici par exemple une des quêtes annexes. Donc ce monsieur cherche une plante volante pour remonter le moral de son épouse. Donc voilà, c'est près d'une grotte dans la forêt. Pas obligé de vous voulez un peu. Dans tous les cas, on est dans la forêt, hein. Ça donne, même si vous l'avez fait une première fois, si vous le refaites, ça vous donne quand même quelque chose dans le coffre. Les deux là, c'est quelque chose qu'on peut mémoriser. Voilà. Et donc, voici la fameuse plante. Alors, je m'explique pourquoi. Une galère ou quoi que ce soit, enfin un petit peu une perte de temps, c'est que en fait on avait fait cette grotte avant d'aller voir le monsieur au village. Donc il te donne la quête, il te dit de trouver une plante volante, que c'est près d'une grotte. Tu penses pas forcément à cette plante là, à ce monstre que t'as mémorisé, je sais pas moi, 10, 15 minutes, 20 minutes avant. Et en l'occurrence, ben, cette plante, c'est la plante qu'il va falloir montrer au monsieur. Donc, ça fait pas mal de coins montés sur les arbres pour relire l'énoncé du problème et se dire, mais attends, ce serait pas un truc, parce que dans l'énoncé, il dit de me montrer une plante volante. Ce serait pas un truc qu'on a déjà dupliqué, ce serait pas un écho. On se dit, ah bah oui, forcément, c'est cette plante-là. Donc, après, avec le recul, tu te dis, mais c'est tout con, comment j'ai pu ne pas y penser? Mais c'est vrai que quand t'as joué 15-20 minutes, que t'as fait des grottes, que t'as tué des... Ben, ça te vient pas forcément à l'esprit, étant donné que, je précise, hein,
Et j'insiste, il y a énormément d'échos, donc tu penses pas systématiquement tout de suite à ça. Donc voilà, c'est la première soluce de la quête. Si ça peut vous éviter de passer une heure à chercher en forêt, voilà, c'est juste, c'est ça. Je vais vous montrer et ça va vous valider la quête. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de cheminement. Il n'y a pas un cheminement correct, hein. Il y a plusieurs cheminements possibles. Donc, si tu as fait ta vie et que tu reviens après là, la systématique, tu vas pas automatiquement penser à cette fameuse plante que tu avais éduquée. Oh, c'est pas mignon ça. Foire de l'amour. Bah eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, j'ai l'impression, en même temps, c'est plus simple. Il y a vraiment une prise de tête. Donc voilà, quête secondaire, la plante volante. Le quête secondaire, celui du garçon, la plante volante. Ensuite, après celle du garçon, elle n'est pas très compliquée. Je crois que j'aurais besoin de pour cela, mais c'est pas bon. Mais. Ça c'est quand on joue une première fois, on dit attends, ça pourrait être sympa en solus. On se souvient plus exactement si on l'a fait sur notre partie, sur la partie sur laquelle on joue, ou si on l'a fait en solus. Désolé. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'avez pas, comme moi, souvent envie de sortir l'épée plutôt que d'utiliser les échos? Parce que bon, après clairement le c'est pas Zelda Star Sword, c'est Echoes, donc on est là pour utiliser les échos. Voilà, le jeu même va parler la quête, ça va me menacer, donc voilà, il faut juste se débarrasser des monstres, aller trouver, ça va me donner. Alors là, la viande, moi je la trouve super utile, hein, pour distraire quand il y a pas mal d'ennemis. Par contre, on n'allait pas balancer comme écho, par exemple, un oiseau. Parce que l'oiseau, il va bêtement aller bouffer lui-même la viande. Il va pas vous aider du tout, l'oiseau. Bêtement aller bouffer la viande, donc ça, aucune aide. Voilà. Oh, ben, il va nous parler de Link. Bien évidemment, on va revoir Link. Donc un peu là-dessus. Voilà, donc. Cette quête, voilà. On est vraiment à deux quêtes. De cœur, ah le pute, encore hâte de faire mon petit montage et à atteindre le quart de cœur. On n'est pas sur le niveau d'assemblage de Tyrannos de Kingdom, mais enfin, voilà, se mouvoir avec des
superposition de lys et... particulier. C'est vrai qu'en utilisant R, on peut regarder un peu alentour. Alors quand c'est dit alentour, c'est vraiment très 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 restreint. On ne voit pas énormément non plus. On voit le cœur là. Pas une vie malade. Voilà, on a récupéré le fragment. Il y a des octos là. Qu'est-ce que je dis, il y a tellement après vraiment à voir à la fin du jeu avec combien de... avec combien d'échos on va se retrouver. Mais comme c'est pas vraiment l'organisation, c'est pas c'est assez simpliste. Je paume un peu, on se souvient plus qu'on avait fait tel ou tel écho. Faut bien organiser nos échos en fonction de les épreuves qui nous attendent. On a les gardes qui ne reconnaissent absolument pas Zelda parce qu'elle a mis quelque chose. C'est totalement pas trop incognito si vous avez déjà vu. J'ai vu qu'au gars, genre il est méconnaissable, alors que pas du tout. Là, c'est ça. TP est toujours bienvenu. Comme vous voyez, il y a tellement d'endroits à visiter et il n'y a pas réellement de... il n'y a pas réellement de bon cheminement. Hein. C'est un peu... c'est une grande fée. Et alors, c'est très marrant son dialogue. Plus effrayant qu'un service gratuit, tu trouves pas? Ça sent l'arnaque à plein nez. Et moi, tu peux dormir sur tes deux oreilles, y a pas d'arnaque, tout est payant. C'est marrant. Ouais, ça mérite d'être clair. Et ça va nous donner un emplacement supplémentaire pour les accessoires. En l'occurrence, j'en ai 15, donc. Mais il faudra parier que vite, enfin vite. J'aurai un deuxième accessoire incessamment sous peu. On voit qu'il y a des, il y a des faits sur le côté. C'est beaucoup pour ça. Moi, j'en ai pas. Beaucoup d'épées, hein.
gardez autant que faire se peut vos endurance, je dirais, pour les pays, parce que il faut les garder pour les moments où on a vraiment besoin, même si c'est vrai que c'est tellement important de sortir les pays. Il faut plus d'une minute pour tuer un mob. Tampon. D'ailleurs, souvent c'est tampon même. Enfoncer sa vie. Tamponne notre carte. Le but là, ça va être de faire tamponner vos cartes. Remonter le B. Peut-être qu'on aura la tenue Zora, je sais pas, à voir. J'ai cru. Cascade que j'ai vu faire remonter ou non. Après, on n'est pas, vous n'êtes pas obligé de. Une fois que vous les avez mis en écho, vous êtes obligé de tuer tous les monstres. Ça ne fait pas ça, c'est voir. L'écho en carte. Alors je vous parlais des oiseaux comme si c'était un fait acquis, comme si on les avait déjà, alors que déjà fait sur ma partie, mais du coup comme je fais Solus, donc là je n'avais pas encore. Donc c'était bien beau de vous parler d'oiseaux. Je ne fais pas en écho. Donc c'est cet oiseau là, si vous l'utilisez près d'un morceau de viande, en fait, même en écho, il va être d'aucune utilité parce qu'il va aller picorer la viande plutôt que de vous aider, hein, même en écho. Hein. Donc ces fameux oiseaux dont je parle depuis un petit moment. Donc là, on va chercher le coffre avec le pouvoir. La nourriture ou un bien. Je vais montrer dans la vidéo précédente 3 amiibos par jour. Que de la nourriture pour l'instant. Lui, hein. Allez. Nouveau point de TP.
pousser. Ouais, des chiens, on leur lance un os comme ça. Voilà, l'oiseau, lui, il va bouffer aussi plutôt que d'aider complètement. Donc celui-là, il a une épée. Donc, on peut, le dupliquer parce que ben il y a plusieurs versions. Tu veux clairement se mettre. Le lutte acharné et rapide. Oui, c'est... oui, moi aussi j'ai envie de sortir l'épée, mais les combats, pour le moment, hein, je vais pas te dire, j'ai pas fait peu encore, mais les combats pour le moment, c'est vraiment pas pour moi le point fort du jeu. Enfin, c'est pas que le jeu d'ailleurs ait été pensé pour ça, hein, j'ai des réflexions à un jeu de combat. Mais moins dans l'action que un Tears of the Kingdom ou un Breath of the Wild. Je crois que déjà dans Tears of the Kingdom, moi j'avais estimé qu'on était également moins dans le combat que Breath of the Wild. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Je suis pas d'accord avec toi, ça. Je veux pas trop comprendre. On voit que on voit de l'autre côté, il y a une. Heureusement, on a des super pouvoirs. Des graphismes, je trouve que c'est, ben, c'est comme une souris qui hein, c'est très, très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est largement une boîte à Pokémon, hein. Enfin, même pas, c'est de ridiculiser Pokémon au niveau des graphismes qui se foulent absolument pas. Et c'est joli, franchement.
refait nos petits. Le lion, on l'a eu au début et c'est l'objet qu'on utilise quasiment le plus. Ouais. Énormément. Là, on peut, je sais pas, je pense que c'est trop loin pour utiliser avec le pouvoir. Aussi, bon, ça. Alors, déjà, de une, il y a plusieurs niveaux de lit. Vous verrez par la suite. On peut arriver au niveau 2 qui, forcément, rend plus de cœur, mais même si ça peut sembler pénible de se lever de machin, je pense que c'est surtout dans les donjons. Pas qu'on pose un lit et qu'on récupère tout le cœur d'un coup. Je pense que ça simplifierait vraiment énormément. Beaucoup trop le jeu. Hein. Enfin, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais c'est pour ça qu'il y a le mode. Ça, il y a le mode standard de jeu, il y a le mode héroïque. Je trouve très bien, vraiment, là. C'est. Bon. Hein, ce jeu s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, les enfants vont sûrement prendre un grand plaisir à jouer à ce jeu. On arrive dans le désert, Gerudo. Donc voilà. Je vais absolument vous montrer les quêtes. Alors bon, pas spécialement celle du paysan à sauver, mais plus pour la plante en fait. Parce que j'ai trouvé que c'était c'est pas que c'était galère, mais c'était pas forcément évident et on peut bloquer là-dessus. Oh, zut, allez, je passe à autre chose, alors qu'en fait, je suis persuadée que 90% des personnes qui vont regarder cette soluce vont se dire, ah mais oui, non, mais bien sûr, maintenant qu'elle le dit. Et si ça peut vous rassurer, j'ai eu moi aussi un petit moment absolument vous mettre bout à bout et à me dire, ah bah oui, donc c'est tout que j'avais mémorisé. Donc voilà, là dans le désert Gerudo, il y a de nouveaux mobs que j'ai mémorisé également. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer les quêtes secondaires jusqu'à la ville Gerudo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle soluce. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, hein, à commenter, liker, à vous abonner. Ça me fait plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.